Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Un réseau décentralisé. Pas d'entité de contrôle. On a vu juste avant qu'il n'y a pas d'intermédiaire financier qui prend en charge la transaction. Mais la transaction ne s'exécute pas toute seule comme par magie, chaque crypto-monnaie a un réseau informatique composé de nœuds qui vont vérifier et valider les transactions qui seront effectuées. Imaginez un réseau d'ordinateurs qui travaillent tous pour faire fonctionner les transactions de la crypto-monnaie. Ce réseau n'appartient pas à un État ou une institution, il appartient à chaque membre et utilisateur du réseau. Chaque crypto-monnaie peut définir comment son réseau va fonctionner. Si possible, il doit être décentralisé au maximum. Plus il y a de nœuds d'ordinateurs répartis dans le monde, plus ce réseau sera sécurisé et sans possibilité de contrôle. C'est vraiment un pilier important des crypto-monnaies, un réseau commun sans unité de contrôle. Comment s'articule le réseau d'une crypto-monnaie? Sachez que chaque réseau peut être régi par des règles différentes. Le réseau Bitcoin parce que c'est le plus connu et qu'il est très intéressant à décortiquer. Pour rejoindre le réseau d'ordinateurs Bitcoin, il vous suffit d'un ordinateur et d'une connexion Internet. C'est donc accessible à presque tout le monde. Il suffit de télécharger un logiciel sur votre ordinateur, l'exécuter et c'est tout. Vous venez de vous greffer au réseau Bitcoin et votre ordinateur est déjà en train de résoudre des calculs qui vont permettre d'exécuter les transactions du réseau. Vous vous demandez certainement quel serait votre intérêt à participer aux transactions du réseau? Sachez que dans le code informatique Bitcoin, les personnes participant à la validation des transactions sont récompensées par un nombre de bitcoins fixé. Rappelez-vous, les bitcoins sont verrouillés et libérés au fur et à mesure, ce qui permet de les donner en récompense aux personnes qui participent à son réseau. Ainsi, grâce à son système de récompense, le réseau est en permanence maintenu, car il y a toujours des personnes désireuses de récupérer des bitcoins en échange. Les personnes participant au réseau sont appelées des mineurs, et la validation des transactions est appelée le minage. Ce sont des termes appropriés car en échange du travail effectué par l'ordinateur, ils reçoivent une récompense. Certains ordinateurs ont été conçus spécialement pour faire les calculs demandés par Bitcoin, ils sont appelés ASICs de minage. Il existe aussi des fermes de minage qui sont des entreprises qui ont dédié leur activité au minage. Elles louent des hangars où des centaines de ASICs sont connectés pour valider les transactions Bitcoin et ainsi récupérer une grosse partie des récompenses en Bitcoin. Le minage peut être fait sur d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin et il est plus intéressant dans les pays où l'électricité est bon marché.